Hello, hello, c'est Casemus pour cette vidéo particulière, comme vous le voyez sur l'écran. Je vais vous montrer des façons de réaliser les jeux techniques en utilisant des bugs assez énormes du jeu. Je vous explique pas comment les faire pour le moment. Ça fait longtemps hein, que j'ai trouvé ces petits trucs. Et j'hésitais à en faire une vidéo parce que... Alors, il faut savoir que je crois être le seul youtubeur à avoir trouvé ce bug. Alors, je suis certainement pas le seul joueur à l'avoir trouvé, peut-être pas. En tout cas, des vidéos YouTube, j'en ai pas trouvé. J'ai cherché longtemps. Et donc, c'est pas pour me vanter, hein, mais je suis en train de vous dire justement qu'une fois que je vous révélerai comment faire, ces jeux techniques-là n'auront plus aucune utilité, en tout cas pour les personnes qui essayaient de battre des records. Bah, ils risquent d'être bien dégoûtés de voir que en fait il y a une façon bien plus simple de battre les records et d'exploser même les records. J'aimerais avoir votre avis par rapport à ça. Si vous pensez que c'est pas très fair play de partager ça à tout le monde, ou si vous pensez comme moi hein, que c'est aussi mon devoir de trouver des choses comme ça et de les partager. Et il faut savoir que il y a aucune modification du jeu hein. C'est totalement légal. J'utilise que les bugs du jeu pour effectuer ça. Donc une fois que j'aurai révélé ça, je sais très bien que les records du monde vont tomber certainement à l'appel. J'aimerais savoir connaître un peu voir votre sentiment par rapport à ça. On ne fait que profiter des bugs du jeu et c'est de la faute des développeurs de FIFA s'il y a cette possibilité là, voilà. Donc je vous laisse, sûrement pour une prochaine vidéo, la prochaine vidéo sera certainement un geste utile, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Et voilà, donc je vous prépare ça sûrement pour bientôt. Allez, ciao ciao.